Yo tout le monde, c'est Safix. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online à la point 41 pour un nouveau glitch. Donc c'est une excuse trouvée par moi-même. Donc ce glitch consiste à avoir deux yachts, donc dupliquer son propre yacht. Vous avez besoin d'un ami. Avant de commencer, je vous invite à liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait et activer la cloche. Donc voilà. Une fois que vous êtes sur votre yacht, vous allez entrer là où vous payez le pilote pour déplacer votre yacht. Une fois que vous y êtes, vous allez voir le pilote. Vous allez dire à votre ami, enfin choisir un endroit et le même endroit que votre ami. Donc mon ami appuie là. Il a appuyé 2 secondes avant moi et moi j'ai appuyé juste après. Ça va faire un bug. Donc le bug, c'est qu'en fait, c'est vous que votre yacht va se mettre à l'endroit où vous avez payé le pilote et pas votre ami. Donc je sais pas pourquoi c'est pas mon ami qui va avoir le yacht en premier à le pincement. Mais bon, c'est comme ça du moment que vous avez votre yacht dupliqué. Donc quand vous allez avoir la cinématique d'arrivage, ça vous fait une cinématique comme si vous arrivez à la plage alors que, enfin à la plage pour moi. Après si vous changez d'endroit c'est comme vous pouvez. Moi j'aurai la cinématique d'arriver à la plage, mais je serai toujours à côté de la base militaire comme au début de la vidéo. Donc je vais vous montrer, voilà, j'ai la cinématique. Quand la cinématique sera finie, je vais être à côté de la base militaire. Mon autre sera dupliqué. Donc comme vous voyez, je suis toujours à côté de la base militaire. Donc un emplacement n'est disponible. Donc si vous avez ça, c'est que ça a marché. Regardez. Là, le logo de votre yacht va mettre un peu de temps à arriver, mais pas beaucoup. Quelques secondes. Après, si votre yacht dupliqué, vous pouvez pas conduire les véhicules qu'il y a sur le yacht, ni rentrer dans les pièces du yacht. Après, si vous rejoignez l'activité ou que vous sortez, votre yacht il va disparaître. Donc voilà, je vais regarder si le logo est apparu. Comme vous voyez, mon logo du yacht est apparu à la plage où j'ai bien acheté le pilote. Donc voilà, et comme vous voyez, c'est pas du fake parce que c'est bien le yacht que j'avais au début, c'est exactement le même, c'est bien le même, c'est pas celui à quelqu'un d'autre. Parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer que si je sors du yacht, le yacht va disparaître tout d'un coup comme ça. Ce qui va prouver que c'est bien une duplication et pas celui à quelqu'un d'autre. Il faut que vous restez dessus pour qu'il reste visible votre yacht. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura aimé. C'était Sizewix, c'est tout le monde. Peace!